Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est votre vidéo préférée de la semaine, tout au moins sur ma chaîne, le journal créatif. Alors, nous sommes au numéro 56, voilà, depuis que j'ai commencé le journal créatif, ça fait déjà plus d'un an, hein, je vous l'ai dit il y a un mois déjà. Bon, ça y est, vous avez compris. Fifi. Bisous, fais bisous. Non, pas bisous. Non, pas de bisous pour l'instant. Et maman a enlevé tous les poils sur le t-shirt. Alors si tu pouvais éviter de m'en remettre. Alors, je vous redis bonjour. Je l'ai déjà dit, mais je vous redis bonjour. Et je souhaite la bienvenue encore aux nouveaux et nouvelles. Il y en a encore eu beaucoup cette semaine. Je suis vraiment très, très heureuse d'avoir tous ces nouveaux abonnés. Depuis l'anniversaire, donc le 31 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 31 août. Donc, en un mois, il y a eu 82 nouveaux abonnés. Alors, je suis vraiment très, très heureuse. Et je vous remercie tous d'être là. Voilà, j'espère que la chaîne vous plaît, ce dont je vous parle dans les vidéos, ce que je vous montre, vous intéresse. Bon, voilà, allez installer. Ça va être pratique, comme d'habitude. Alors, le journal créatif, je vous montre tout ce que... 1, 2, 3, on recommence. Je vous montre tout ce que j'ai pu faire pendant la semaine, principalement en broderie, mais aussi en tricot, en crochet. Et s'il y a eu un autre loisir créatif entre deux sur la semaine, je vous le montre également. Alors, comme vous le savez, avec ma tablette, je fais un tirage au sort avec une roue pour savoir qu'est-ce que je vais broder cette semaine, enfin dans la semaine. Donc je vous rappelle ce que la roue m'avait choisi la semaine dernière. Alors en point de croix compté, le hibou, donc ça c'est une broderie qui m'a été offerte par une abonnée, mon Caroline Manning, mon Autumn Quaker, mes pans royaux dans le forest, mon sal du nouvel an, le sal du colibri, mais le sal est terminé, donc le colibri de poussière d'étoiles, le patchwork quaker ou patchwork sampler, Fifi, je n'arrive plus à lire, mon HAED de la japonaise, le Bouddha de poussière d'étoiles, le sal des ours de Noël qui est en cours actuellement sur mon groupe et que j'organise. C'est un modèle de chez All Forest. Voilà, c'est ce que j'avais choisi. Mais j'avais aussi mes duos. Alors, les duos, il y a le duo Lily Point sur le thème des chats. Un estampé sur la confiture, c'est une série sur la cuisine. Mon sampler 124 que je fais avec Sonia de la boutique Diamant Rose. La boutique, ça y est, ça commence. De la chaîne Diamant Rose. Et j'avais mis en plus, s'il me restait du temps, le Halloween Quaker et l'aquarium Lucas. Voilà. Je fais un petit peu de place. Et j'ai également donc mon challenge que je fais, mon petit challenge perso que je fais toutes les semaines, qui est de faire au moins 3000 points, 3000 croix sur la semaine. Donc vous verrez à la fin si j'ai réussi ou pas. De quoi que je vais vous parler? Alors, je vais d'abord vous... Oui, alors... J'oublie toujours de vous dire des choses. Donc maintenant, je me fais des petits mémos. Bon, Fifi, va manger. Allez, hop. Allez, voilà, merci. Oui, je me fais des petits mémos. Mais la vieillesse venant, hein, que voulez-vous, la mémoire n'est plus
n'est plus tellement là. Puis de toute façon, je suis de nature poisson rouge. C'est-à-dire que ça tourne, hein, et puis, oups, on oublie. Mais bon. Alors, oui, je voulais vous parler déjà d'un événement qui se passera en septembre, donc qui commence ici ce 1er septembre. C'est un événement que l'on fait, on va dire, c'est comme un challenge que l'on fait donc avec une partie ou même toute la partie du gang des Québécoises. Voilà, donc je vous parle assez souvent. Et donc, c'est Sonia qui a mis ça en place. Donc, j'y tiens la boutique. Je vais faire ça jusqu'à la fin. De la chaîne Diamant Rose. Ça s'appelle le September Sampler Quaker. Vous avez vu les filles, l'accent anglais? Waouh! Donc, qu'est-ce que ça va être? Alors, c'est-à-dire que pendant tout le mois de septembre, on va broder au maximum. Ça ne veut pas dire qu'on ne brode pas nos autres broderies, hein, mais on va broder au maximum nos Quakers, nos samplers. Voilà, comme ça, on va bien les avancer. Et ça va nous permettre du coup d'avancer sur des ouvrages aussi qui traînent un petit peu tout au long des semaines. Parce que malheureusement, nous ne sommes pas des monochromes. Oh là là, je crois que là, ça va être dur aujourd'hui. Nous ne sommes pas des monos en cours. On a toutes. Plusieurs ou beaucoup dans le cours, et du coup ça avance un peu moins vite. Bon, c'est tout à fait normal, hein. Donc là, pour ce mois, on va broder principalement donc sur tout ce que nos broderies qui représentent un sampler ou un quaker. Alors je ne sais pas si j'ai le nom de tout le monde. Les filles, si j'en ai oublié certaines d'entre vous, excusez-moi. Donc, il y aura Sonia de j'allais encore dire la boutique, mais la chaîne Diamant Rose. Amélie de la chaîne Dazing et Diamant. Pascal, les passions de Passy. Mélanie, Diamant Folie. Lighty. Oh, je sais pas, je crois que j'ai pas bien prononcé ton prénom. Les loisirs de l'Haïti et Geneviève Horns Upon a Trade. Alors, je rigole. Pourquoi? Parce que les filles savent que j'ai un accent anglais. Bon, moi, je parle pas anglais, mais du coup, j'ai un accent anglais je parle anglais comme une vache espagnole. Et Geneviève m'a dit, maintenant que tu te rappelles de mon prénom, parce que ça c'est pareil, j'oublie ou je mélange les prénoms, voilà. Elle m'a dit, je te mets au défi de dire le nom de ma chaîne. Donc je l'ai dit, je pense que je le redirai encore pendant la vidéo. Donc c'est Horns Upon a Trade. Oh, Mais bon, voilà, donc tout le mois de septembre, nous allons faire donc nos samplers et nos quakers. Donc moi, dans les samplers, il va y avoir l'automne quaker. Je vais vous remettre les images en même temps, ce sera mieux. Il va y avoir l'automne quaker, le patchwork, bon, Halloween quaker. Alors lui, il est très, très, très en retard. Mes pans royaux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? J'aurais dû me faire préparer une liste. Voilà, j'ai pas préparé de liste, ça y est. Mon sampler 124, oui. Ça, c'est celui que je fais avec Sonia. Mon long dog sampler. Voilà, donc ça, je le fais avec Sonia, donc Diamant Rose,
Amélie, Dazing et Diamant et Geneviève, Once Upon a Trade. Après, qu'est-ce que j'ai encore comme sampler ou quaker? Je crois que j'ai... Alors, il y a le Caroline Manning. Ouais, on peut considérer un peu comme un... Je sais pas. Bon, je verrai bien pour celui-là. Mais je crois que... sampler, le Long Dog, je vous l'ai dit. Les pans. Ouais, je pense que j'ai fait le tour pour l'instant. Ouais. Bon, si je repense à un, je vous le dirai. Mais voilà, bon, c'est vrai que j'en ai pas énormément de sampler et quaker. Alors, pourtant que j'adore ça. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà. Alors, si vous voulez nous rejoindre dans cet événement, allez-y. Je vous mettrai... Alors, je crois que Sonia a fait un hashtag. Je vous mettrai l'hashtag en barre d'infos. Voilà. Et comme ça, bah, si jamais vous voulez le faire avec nous et puis qu'on puisse voir bah, vos samplers et vos quakers et votre suivi, ce que vous aurez brodé sur tout le mois de septembre, n'hésitez pas à bah, nous rejoindre. Voilà. Ensuite... Qu'est-ce que je vais vous dire? Ah ben voilà, je l'ai oublié, je l'ai laissé là-bas. Je vais le chercher. Voilà. Alors, j'essaie de tout préparer avant la vidéo. À part juste le tricot, pendant la... je vous fais une petite pause de... Hop. Une petite pause de dixième de seconde pour vous, mais moi, ça me dure une minute ou cinq minutes. Et je prends les tricots pour vous les montrer. Mais sinon, j'essaye de tout préparer. Là, aujourd'hui, j'ai déjà préparé ce que j'ai brodé cette semaine. J'ai quand même pris ma malle, au cas où je vous reparlerai d'une broderie ou pas. Mais voilà, j'essaye de tout avoir autour de moi. Donc, la vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les broderies que j'ai travaillées cette semaine. Il va y avoir quelques... deux petits achats, maintenant deux petits, mais qui concernent le tricot. Donc, vous les verrez tout à l'heure. En broderie, je n'ai fait aucun achat. J'ai passé une commande chez de mère en fille grâce à vos parrainages. À chaque fois que je vous parraine, je vous avais expliqué, ça me ramène des points. Et avec ces points, je peux commander. Donc, comme j'avais pas mal de points, j'ai passé une petite commande. Et bah, du coup, quand je la recevrai, je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Parce que là, bah, j'ai passé la commande hier, je crois, hier ou avant-hier. Donc, bah, il faut quand même que j'attende quelques jours pour moi la recevoir. Alors, bah, je vais commencer par ça. Cette semaine, j'ai... fait un autre loisir, donc certaines d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. Je me suis acheté chez Action, voilà, ce livre de mandala de coloriage. Je sais pas, bon, il m'avait attiré et j'ai dit, bon, tiens, je vais me le prendre. J'en ai hein, pourtant. Un livre de coloriage, c'est pas ça qui me manque. Et j'avais envie de faire un petit coloriage. Alors, je pense que. Je vais voir si je m'y tiens. Je pense que je me ferai un coloriage, mais le dimanche après-midi. Voilà, je pense que je me ferai un petit coloriage le dimanche après-midi ou le dimanche soir, je verrai. Mais le dimanche soir, j'essaye de le réserver à la broderie estampée, comme vous le savez. Donc, bon, on verra. Mais en tout cas, ce sera le dimanche. Voilà, j'essaierai de me faire une petite, un petit colo pour changer un peu. Alors, j'en ai fait un. Voilà. Il faut bien un début. Hein. Je l'ai fait avec... Alors, nous, ça fait un petit moment qu'on n'a plus fait de coloriage. Donc, j'ai toujours mes feutres à alcool. Bon, j'ai
toute ma gamme de crayons de couleur. J'ai une énorme gamme de crayons de couleur. Donc ça, c'est plus pour faire mes coloriages classiques. Et donc, j'ai les crayons, les feutres à alcool et j'ai aussi les feutres... comment on les appelle ceux après on peut refaire à l'eau. Aquarelle. Voilà, les feutres aquarelles de chez Action. J'avais peur que mes feutres n'aillent plus. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, si on s'en sert pas, ça sèche hein, quand même. Mais ça va. Et j'ai été surprise de voir. C'est vrai que c'est surtout Chouchou qui se servait des feutres à alcool. Moi, je vous dis, c'était surtout les crayons de couleur traditionnels. Et je ne savais même pas qu'on les avait. Enfin, si, je savais que j'avais acheté la boîte. Mais je ne savais pas qu'il y avait ces feutres-là dans cette boîte, dans les feutres à alcool. Il y avait des feutres à alcool, mais métallisés. Je ne savais même pas. Même Chouchou, il a dit, ah bon, il ne s'en rappelait plus. donc voilà, mais bon, du coup je m'en suis servi que d'un pour l'instant, mais alors je vous montre mon coloriage et là vous voyez, alors, oups là, vous voyez ça brille là, voilà, je me suis servi du feutre métallisé ici sur ces pétales là, voilà mon coloriage, voilà comme ça ça va mieux. Donc là, je l'ai fait un peu dans les couleurs pastel. Mais ça va, j'ai bien aimé. De toute façon, je vous avais fait une vidéo hein, cette semaine, pendant que je coloriais. Donc, si vous ne l'avez pas vu, ben, retournez un petit peu en arrière. Le titre, c'est « Envie de coloriage ». Et voilà, donc je vous l'avais filmé. Et puis, ben, j'avais bien aimé. Voilà, bon, il faut que je vous dis, ça fait... ça va faire 2 ans que j'ai pas fait de colo, vraiment. Si, j'en ai fait un avec une de mes abonnées, en duo. Mais sinon, ouais, ça doit faire 2 ans que j'ai pas fait de colo. Surtout le colo classique, voilà. Ça fait vraiment, 2 ans. Peut-être un peu plus que j'en ai pas fait. Et pourtant, je vous dis, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut en haut parce que j'ai des crayons de couleur, j'ai des Faber-Castell, j'ai des Polychromos, et en plus, j'ai presque tout en double puisque pendant un moment, Chouchou faisait aussi du coloriage avec moi. Donc, on avait tout en double. Et j'ai même la gamme complète des crayons de couleur, les Brutfunner, que l'on trouve maintenant on les trouve un peu partout sur les sites chinois, mais moi je les avais achetés à l'époque sur AliExpress. Mais j'ai vraiment toute la gamme. J'ai une première petite trousse, j'en avais acheté, je crois qu'il y en avait 120 dedans, un truc comme ça. Mais après j'ai acheté les 2 gros coffrets. Il y en a à peu près 500 ou un peu plus de 500, je ne sais plus. Et j'ai aussi les Brutfunner pastel, les voilà. D'ailleurs, il faudra qu'un jour je fasse un petit tri, bien tout mettre en place, parce qu'ils sont tous dans des trousses à crayons, les trousses en tissu, zippées et tout. Et il va falloir que je me fais un petit point là, sur tous mes crayons et sur mes livres de coloriage. Voilà, donc cette semaine, y a eu une autre activité. Et je vous dis, je vais essayer de m'en faire un le dimanche pour changer un petit peu, pour me délasser. Je bois un coup, c'est du coca. Voilà. Allez, alors j'avais prévu en estampée de faire mon cheval. J'ai pas fait. Voilà, je ne l'ai pas fait. Par contre, bien sûr, j'ai brodé. Alors ça, on le fait en trio avec Armel et Isabelle. Isa, pour les amis.
Toutes les deux l'ont terminé. Je vous mets les photos. Et bien sûr, moi, vous commencez à me connaître. Je ne l'ai pas fini. Mais bon, on accélérera cette... demain, quand je vais faire le montage de la vidéo, je vais accélérer. C'est vrai que moi, je le brode surtout à ce moment-là, quand je fais le montage de la vidéo. Parce que là, bah, un estampé, c'est facile pendant que je fais le montage de la vidéo. C'est plus pratique de faire un estampé comme ça. Mais bon. Alors, je vous montre derrière, on voit mieux ce qui a été fait. Voilà. Donc, bon, ça peut aller vite. Hein, mais bon, on verra. La partie la plus longue, pour ma part, c'est les petites frises. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a trois couleurs dedans, vous voyez. Et c'est tout des petits carrés. Voilà. Je trouve que c'est la partie la plus longue à faire. Après, le reste, ça va. Même les petits fruits sur les côtés, tout ça. C'est assez rapide. Bon, j'ai commencé des bocaux. Donc, on voit là. Là, j'ai fait un couvercle. Là, j'ai commencé un bocal. Mais voilà. Mais sinon, c'est agréable à faire, hein, de toute façon. Donc, celui-là, c'est la marque Spring. Et donc, c'est toute une collection. Je crois, de mémoire, il y en a entre 10 et 12. Mais il y a sur le pain, le fromage, les agrumes, les confiseries, les biscuits, je crois, ou les gâteaux. Le vin, l'huile d'olive, les herbes. Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de modèles. Voilà. Alors, moi, je vais le terminer, je vais l'avancer au maximum demain en montant ma vidéo. Et on commence ici pour le mois de septembre, donc un nouveau modèle. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de ne pas prendre trop de retard. Alors, j'enlève la pochette parce qu'il y a des autocollants dessus. Et on va faire celui-là, les œufs. Donc, avec la petite poule, le poulet, les petits œufs. Alors, là, c'est marqué les œufs. Là où il y a la poule, c'est marqué 60 centimes, frais du jour et autres produits fermiers. Voilà. Alors, ce que j'aime bien dans ces broderies-là, cette série-là, c'est que c'est écrit en français. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Donc, celui-là, on commence ici en septembre. Donc, moi, je vais essayer d'accélérer hein, pour... ne pas prendre trop de retard. Et puis, on verra. Voilà. Donc, je termine ma confiture. Et après, on attaque les œufs. Voilà. Alors, je vais faire comme d'habitude. Je vais cocher ceux que je vous ai déjà montrés. Comme ça, je sais ce qu'il me reste à vous montrer. Allez, on est parti pour les broderies point compté. Alors, ici. Ah bah celle-là, je l'ai faite aujourd'hui, mais en fin d'après-midi. C'était la dernière broderie aujourd'hui sur laquelle j'ai travaillé. Alors, est-ce que je l'ai marqué? Non, ah bah non, j'ai oublié de le marquer. Ah, ah bah non, si, si, autant pour moi, je l'ai marqué. Et la dernière fois, quand je vous l'ai montré, il y a Sonia qui m'a envoyé un message parce que c'est une broderie que je fais donc avec Sonia, avec Geneviève et avec Amélie. Amélie vient de prendre le train en route pour le faire avec nous. Donc, c'est super. C'est le Long Dog Sampler. C'est le Le Two Mains Maurice. Voilà. Donc, je vous montre l'image. Je vais vous la montrer comme ça. Voilà. C'est celui-ci.
quand on l'avait commencé, on avait hésité entre plusieurs, et puis bon, on s'est arrêté sur celui-là parce que il était un peu plus petit que les autres, et du coup on s'était arrêté sur celui-là, et de toute façon il est vraiment très très beau. Moi je le brode sur une toile de lin 16 fils, voilà, et voilà où j'en suis. Alors je vous montre comme ça pour que vous voyez les changements de couleur qu'il y a dans le fil. Et je vous disais donc, Sonia, l'autre jour, après ma vidéo, elle m'avait dit, t'as oublié quelque chose. Effectivement, j'avais oublié de faire les points arrière. Vous voyez, il y a comme des petites étoiles là dans les carrés blancs. Et là, il y en a trois aussi. Et j'avais oublié de les faire. Bon, c'est pas très grave. Mais ce qu'il y a, c'est que sur Pattern Keeper, on ne voit que les croix. On ne voit pas les points arrière. Donc, il faut... du coup, maintenant, je vérifie sur mon PDF pour voir les points arrière, quand il y en a. Mais là, c'est vrai que j'avais vraiment pas fait attention. Mais bon, ça y est, c'est corrigé. Ça se voit plus. Alors, aujourd'hui, j'ai travaillé ici et ma ligne ici. Voilà. Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait 210... Bon, c'est pas beaucoup pour... d'habitude, je fais un peu plus. Mais là, bon, j'ai fait 217 croix. J'ai déjà brodé 1962 croix. Et je suis à 4,99%. Alors, là, on le brode ensemble. Mais on ne se donne pas d'étape. On brode là où on veut. Et puis, ben, on prend le temps que l'on veut pour le faire également. Le principal, c'est juste de broder la même broderie ensemble. Donc, moi, je vous ai dit, je fais sur une toile de lin 16 fils. Et, ah, là, il faudra que j'en remette, il n'y en a plus beaucoup. Et je le fais avec un fil multicolore. Donc, chaque semaine, je vous le redis, ce n'est pas un fil variation. C'est vraiment un fil multicolore, DMC. C'est comme ça qu'il s'appelle, et c'est Nuit canadienne. Donc voilà les couleurs. Il est chouette, hein. J'ai vraiment craqué dessus quand je l'avais vu sur la boutique, et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Alors voilà. Donc, celui-là va faire partie des broderies pour le September Sampler Quaker. Ensuite, ah oui, bah là, j'ai pas réussi à terminer mon étape du mois. Mais c'est pas très grave. Hein. De toute façon, comme je dis tout le temps, ça c'est un sale que moi j'organise, et comme je dis toujours, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Donc de toute façon, moi j'ai toujours du retard. Alors quand on fait des sales, des duos, des voilà, bon, je vais être gentil, à 80%, j'ai toujours du retard tout le temps. Donc c'est mon habitude, et puis voilà, hein. Donc, voilà ma petite fille ours. Bon, ben, elle a déjà sa jupe et son tablier. Hein. Elle a ses petits pieds. Il manque plus grand-chose hein, quand même. Mais après, il y a une couronne de fleurs qui vient autour d'elle, comme un peu comme ici. Voilà. Donc, on va se dépêcher aussi pour le terminer. Parce que ben, il reste plus... De toute façon, là, je suis en retard. Mais ici, en septembre, c'est la dernière étape de cette broderie. Après, ce sera fini. Donc, voilà. Même si j'ai encore un petit peu de retard, c'est pas très grave. Donc, celle-ci est brodée sur une toile étamine 12.6 fils, teinte main, par la boutique Tom et Lily Création. C'est la couleur jean. Voilà. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, mes nounours. J'ai mis où mes nounours? Ah, ici. J'ai fait 500 croix.
Voilà. J'ai fait 500 croix dessus. Donc, j'ai quand même bien travaillé. On dirait pas, hein, mais j'ai quand même bien bossé dessus. Ensuite, alors je vais prendre comme ça vient. Oui. Ici, c'est mon Norton Quaker. Donc là, les filles vont me rejoindre dessus. Il y aura Sonia, il y aura Geneviève, peut-être Amélie, je ne sais plus. Je ne sais plus qui va le faire également. Mais du coup, elles, elles ne l'ont pas encore commencé parce qu'elles attendaient de recevoir ben, tout ce dont elles ont besoin. Mais bon, moi, je l'avais commencé avant sans savoir qu'elles allaient le faire. Mais c'est pas très grave, elles vont me rattraper. Donc voilà. Mon Norton Quaker. Alors, lui, il est. C'est une toile. C'est un lin. Oui, c'est un lin, hein, je crois. Mon Dieu, ça y est. C'est oublié. Non, c'est une Murano. Voilà, c'est une. Donc c'est une étamine. Bah oui, c'est une étamine. 12.6 fils. Donc Murano vintage café, je crois qu'on dit. Voilà. Je brode avec les fils Valdani. Donc ce sont ces fils-là. Voilà. Donc ça, c'est toutes les couleurs dont j'ai besoin pour faire ma broderie. Ce sont alors c'est des fils qui sont avec 3 brins, voilà, et on brode avec 2 brins, donc il y a je garde un fil de côté à chaque fois. Bon, je m'en servirai pour une autre broderie, c'est pas très grave, mais voilà. Après, j'ai réfléchi, mais bon, maintenant, c'est commencé, donc je vais pas recommencer une deuxième fois. Hein. Vous rappelez, j'avais coupé ma toile et du coup, j'avais dû refaire. J'aurais pu aussi le broder en 3 fils, parce que le fil n'est pas très, très épais. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, j'ai commencé comme ça, je continuerai comme ça. Donc, vous voyez, la marque ici, donc. Valdani. C'est un fil italien. Mais il est vraiment très joli. Donc c'est un fil avec des reflets, enfin des couleurs changeantes. Mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors celui-là fera partie de challenge de September Simpler Quicker. Voilà. Alors, ici, j'ai fait... Ah là, j'ai pas fait beaucoup. Parce que bah, je l'ai fait en... C'est celui-là que j'ai fait en fin d'après-midi. Donc, j'ai pas brodé beaucoup dessus. J'ai fait 150 croix. Voilà. Bon. C'est pas énorme, mais c'est toujours des croix de fait. Oui. Alors, j'ai alors celui-là. Non, c'est pas celui-là que j'ai fait le lundi. J'ai repris. Il était temps parce que le sale, je l'avais organisé sur mon groupe et comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Le sale du colibri. Voilà. Je l'ai ressorti parce que bon, ben, il n'y a pas, il faudrait que je termine. J'ai travaillé ici, voilà, toute cette partie-là. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 300 croix. En tout, il y a déjà 2978 croix de fait et je suis à 20,87%. Donc, vous voyez, il y a encore du taf hein, quand même dessus.
Mais voilà. Donc là, vous voyez le dessin en entier. Attendez, je vous mets droit. Voilà. Et donc moi, j'ai brodé la partie qui est ici. Voilà. Mais toujours agréable à faire, hein. Donc lui, il est fait sur une toile étamine 12 points 6 fils. C'est un rose marbré. Je suis contente d'avoir travaillé dessus un peu parce que ben, on avait besoin, le pauvre. J'ai soif, soif. Donc, le colibri, c'est bon. D'ailleurs, j'ai mis où? Ah, ici. Mon Caroline Manning. Alors, celui-ci, alors, c'est un duo, on s'est fait un duo, mais sans savoir qu'on le faisait en duo. Armelle le fait également, mais elle est beaucoup plus avancée que moi. Je vous mettrai une photo en même temps. Mais voilà où j'en suis sur mon Caroline Manning. Alors, vous pouvez voir, je vais l'approcher, que j'ai fait le point arrière qui est à l'intérieur. Voilà. Et comme je vous avais dit, moi, je ne brode pas le fond. Alors, tout ce qui est blanc, là, normalement, c'est brodé avec le 33-65, si je ne me trompe pas. Mais moi, je ne le fais pas. Et voyez, le point arrière, là, il est super beau. On le voit bien. Voilà. Hop, là, on voit bien les couleurs. Mais il est super agréable à faire. Alors là, bon, là je suis au milieu, d'accord. Et là, il va me rester encore, vous voyez, à peu près ça ici. Il y aura encore une grande ligne là. Et je serai au bout. Donc vous voyez, c'est pas. Si vous voulez, la broderie, elle va faire quoi? La grandeur de ma main, à peu près. Donc c'est pas un gros truc, hein. Mais vraiment très très agréable à faire. J'aime beaucoup. Les couleurs vont super bien ensemble. En plus, c'est mes couleurs préférées, le violet, le vert aussi, j'aime bien. Voilà. Et du coup, je vous mets la photo de d'Armelle pour vous montrer où elle en est arrivée. Alors, le Caroline Manning, j'ai fait 334 croix et j'en suis à 3430 plus le point arrière. Bon, là, je ne vous donne pas le pourcentage hein, puisque je ne fais pas le fond, donc le pourcentage ne serait pas bon. Ensuite, 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 oui. Vous avez pu voir la semaine dernière que j'avais commencé une nouvelle broderie. Ah, ben écoutez, attendez. Je vous la montre tout de suite. J'en ai deux qui veulent aller faire leur petit pipi, comme d'hab, hein. Les deux poilus, Pacha et Géry. Oui, maman arrive. Donc pour vous, ça va être un dixième de seconde. Et moi, avec eux, j'en ai pour 5 minutes. De toute façon, j'entends du monde de chez les voisins. Donc, ils vont vouloir aboyer. Maman va disputer parce qu'on n'aboie pas. Je ne veux pas qu'on réveille les voisins. Mais voilà. Donc, je suis là tout de suite. Vous voyez, ça a été vite. Alors, oui, je vous disais donc, vous vous rappelez que j'ai commencé une nouvelle broderie. Eh oui. Que voulez-vous? Donc, c'est un Lanart. Mais c'est un petit Lanart. Voilà, je vous remontre le modèle. Voilà, c'est une branche d'orchidée.
Et voilà où j'en suis. Donc, elle est brodée sur une toile étamine 10,5 fils. Elle est imprimée industriellement, puisque là, derrière, vous voyez, c'est blanc. Mais c'est une très belle toile, très sympa à broder, très, très douce. Et là, par contre, on doit broder en 3 fils. Voilà. Il y a des petites parties où il n'y aura qu'un seul fil. Oh, pardon, j'ai mon nez qui gratte. Mais là, on doit broder en 3 fils. Alors, je vous montre. Voyez. Mais ça va. Ça va très bien. Bon, je pense qu'il ne me faudra pas très, très longtemps pour la faire, hein, celle-là. Si je me mets une bonne après-midi dessus, je vais beaucoup avancer. Et donc celle-là, j'ai fait. Alors, c'est en. Alors, c'est la première fois que je fais ça. Mais j'ai stabiloté le vrai patron. De toute façon, voyez. D'habitude, je ne fais pas ça. Mais j'ai dit, je ne vais pas réimprimer, bon, user de l'encre, du papier, voilà. En sachant que là, de toute façon, on n'a aucune référence DMC dessus ou référence d'une autre marque. Donc, même si j'offre le patron à quelqu'un ou n'importe, ben, la personne ne pourra rien en faire puisqu'il n'y a aucune référence de fil dessus. Donc, je ne me suis pas embêtée, j'ai stabiloté dessus. Et en plus, alors, je vais juste vous montrer un bout. Vous voyez, c'est imprimé super grand. Donc, c'est vraiment nickel. C'est un bonheur à suivre le patron. Donc, voilà. Donc, pour une fois, j'ai stabiloté. Alors, vous voyez, voilà ce que j'ai fait. Hop. Mais, ouais. C'est rare hein, que ça m'arrive que je stabilote le patron original. Mais bon, comme celui-là, je ne pourrais plus rien en faire après. Je me suis dit, c'est pas la peine. Donc voilà, avec le petit aimant de poussière d'étoile, comme sur toutes mes broderies, de toute façon. Voilà. Alors, j'ai fait plus ou moins 350 croix. Voilà. On dirait pas, hein, mais ça avance. Il y a de la croix quand même de fait dessus. Mais vraiment très agréable à faire. Je regrette pas de me l'avoir pris, acheté, oui. Ensuite, donc celle-là, hop, Ah oui, celle-ci. Alors, vous vous rappelez que depuis 15 jours ou 3 semaines, je fais la broderie du lundi. Alors, même vous, si vous avez envie de faire ça, pourquoi pas, allez-y. Quand on va faire le tirage au sort tout à l'heure, moi j'en choisis une dans les 10 que je vais tirer au sort et celle-là, je vais la broder le lundi, mais je ne broderai aucune autre broderie ce jour-là. Je brode toute la journée la même broderie. Et je fais ça, c'est pour pareil, c'est pour avancer un maximum. Donc j'essaie de choisir les broderies où j'ai le plus de retard, voilà. Ou alors qui sont très longues à faire, comme un HAED. C'est la semaine dernière ou la semaine d'avant. J'avais fait le temps. Oui, la semaine d'avant encore. J'avais fait un HAED. Et la semaine dernière, j'avais fait ma grenouille. Vous voyez? Donc, j'essaye de choisir une broderie qui a beaucoup de retard ou qui a été mise sur le côté depuis un petit moment. Et je la brode toute la journée. Voilà. Et ici, donc vous savez, ou certains d'entre vous le savent, j'organise tous les ans le sal du Nouvel An. Donc là, il y en a encore un qui va commencer hein, le 1er janvier. Mais moi, j'ai. Oh là, ma toile a bougé.
Mais moi, j'ai pris un retard monstre. C'est-à-dire que alors j'ai fait quoi? Celle-là, oui, celle-là, oui. Ah, celle-là, je ne l'ai pas barrée, je vais la barrer. Celle-là est faite. Là, c'est. Oui, là, c'est. Il fallait. Mais c'est pas grave. Hop. Donc là, je suis en train de faire celle-là. Donc voilà le plan. Alors, moi, je donne un plan comme ça. Donc, en mode portrait ou en mode paysage, suivant la broderie que vous avez choisie. Et vous avez déjà, dès le 1er janvier, toutes les cases. Donc l'ordre que vous pourrez les broder. Mais moi, donc là, on est. Demain, ils entament la case 9. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi, donc septembre. Et moi, je suis encore au mois d'avril. J'ai pris un petit peu de retard. Un petit peu. Mais je vais vous montrer un truc. Je me suis aperçue d'une chose qui va m'aider. C'est un kit Riolis. Donc, vous voyez, je suis en train de broder cette partie-là. Là, il y a déjà une case de brodée. Là, il y en a une. Là, il y en a une. Et donc, je suis en train de faire la quatrième ici. Mais moi, je brode. Alors, depuis le premier jour, je brode avec le patron papier. Et vous voyez, je mets du washi autour de la case que je dois broder. Là, par contre, celle-là, je ne l'ai pas stabiloté, rien. Mais voilà. Cette semaine, je fais un tri dans mes broderies sur ma tablette, tout ça. Et puis je vois que j'avais enregistré la broderie donc de Riolis. C'est celle-ci. Voilà. D'ailleurs, je ne sais même pas comment j'ai fait pour l'enregistrer parce que je ne trouve pas de QR code. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Je me dis, tiens. J'ai ma broderie Riolis dans ma tablette. Bon, je vous dis, je ne me rappelle plus pourquoi qu'elle est dans ma tablette. Et je la trouve donc dans mon drive d'abord. Et je me dis, ben, je vais me l'installer. Je vais me l'installer sur Pattern Keeper. On verra bien. Je l'ai installé sur Pattern Keeper, donc on voit ici, vous voyez. Et voilà, je peux marquer du coup sur mon Pattern Keeper. Alors, je ne peux pas marquer, par exemple, je veux faire tous les Y et tous les Y vont se mettre en surbrillance. Ça, je ne peux pas sur cette broderie-là. Mais je peux. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est la première sur laquelle je peux. Parce qu'en plus, ça s'enregistre. Ça s'est enregistré en couleur. Et du coup, vous voyez, j'ai un petit crayon là-haut. Hop. Donc, je clique sur mon petit crayon. Je vais y arriver. Attendez, je me efface, ce sera mieux. Voilà. Et du coup, je peux marquer. Voilà, hop. Je peux marquer tout ce que j'ai brodé. Bon, là, je peux le faire parce que je l'avais déjà brodé, hein, ça. Mais vous voyez, hop, tout se met en surbrillance. Et je valide. Et voilà. Alors, ça fait des mois. Et ça fait des mois que je ne l'ai pas fait d'ailleurs, puisque vous voyez, je suis en train de faire le mois d'avril. Mais de janvier à avril, je me suis embêtée à le faire avec le papier
Là, j'étais comme ça. Alors que là, maintenant, j'ai réussi à le mettre dans mon pattern keeper. Et puis, en fin de compte, ben, vous voyez, je peux agrandir. Je vois beaucoup mieux. Voilà. Et du coup, ben, je peux mettre en surbrillance ce qui a déjà été brodé. Donc, ça, c'est top. Alors là, pour l'instant, je ne l'ai fait que pour une case et demie. Parce qu'après, j'avais autre chose à faire. Et vous voyez, la première case, j'ai tout mis en surbrillance parce que tout a été brodé. Et là, j'étais en train de faire celle-là. Voilà. Du coup, je suis contente. Même si je ne peux pas pointer symbole par symbole, je m'en fiche. Au moins, bah, là, si je veux, bah, je peux travailler case par case. Et puis, je mets ma case en surbrillance. Je suis tranquillou. Et du coup, je vous dis, c'est la première, un kit Rioli, c'est la première fois que j'arrive à le mettre dans mon pattern keeper, mais je ne sais plus pourquoi je l'ai, comment j'ai fait pour l'enregistrer sur ma tablette, déjà, enfin dans mon drive, je ne sais plus. Je ne sais plus comment j'ai fait. Je dois avoir un QR code quelque part, certainement, mais je sais. Bon, c'est pas grave. Principal que je sais que j'ai réussi et puis que ça m'arrange beaucoup. Du coup, là, ça peut pas me compter les points, par contre. C'est comme si c'est comme si je travaillais directement sur le PDF. Voilà. Mais du coup, je suis contente. Attendez. Ben, si ça me compte les points. Ben si ça me compte, j'avais même pas vu. Oh là là, fatiguée la Didi. Ben pourquoi je l'ai pas vu avant? Bon, alors là, du coup, bon, les points sont pas bons parce que je n'ai pas encore tout mis en surbrillance. Mais hop là, regardez, ça me compte les points quand même. Yes! Trop forte. Ah non, ah ben ça, je ne l'avais pas vu. Ben oui, c'était mis en plein écran et du coup, j'ai pas vu que les... Super, demain, je vais stabiloter tout ce que j'ai fait. Et je vais pouvoir avancer plus vite sur ma broderie. Ah là là, je suis contente. Voilà, donc je vous remontre ce que j'ai fait ici lundi. Alors j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup avancé. Ouais, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup avancé parce que bah, j'ai fait 900 points. 900 croix. En travaillant toute une journée dessus. Bon, bien sûr, j'ai fait des pauses entre deux. Hein. Il y a quand même les pauses pipi, la pause goûter, la pause. Non, mais je rigole, mais voilà. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose quand même dessus. Mais bon. Mais là, oh, je suis trop mais je ne sais pas comment j'ai fait pour l'avoir dans mon drive. Je vous dis, je dois avoir un QR code quelque part. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Oh, je sais plus. Bon, on va pas chercher à comprendre. Hein. Principal, c'est que j'ai réussi à le mettre dans mon pattern keeper. Et c'est très bien. Voilà. Donc, ah, ça. Donc, ça, c'est ma broderie. Ça a été ma broderie du lundi. Et donc, j'ai fait 900 croix. C'est ici. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré encore? La confiture, vous l'avez vu, le coloriage, la broderie du Nouvel An. Le Caroline Menning, je vous l'ai montré. Les orchidées, le colibri, les ours, ça c'est un grand. L'automne Quaker.
Voilà, bah maintenant il me reste à vous montrer ceux qui sont sur les grands, les cuisnaps ou les tambours, les métiers en bois. Je me débarrasse juste un tout petit peu pour avoir de la place et on se retrouve tout de suite. Me revoilà. Allez, on va regarder les grandes broderies. On va commencer par le HAED. J'avais prévu de broder ma japonaise. Je suis contente parce qu'elle avance bien. Et voilà où j'en suis. Donc, elle avance super bien. Donc là, il y a sa tête qui va venir ici. Là, on voit déjà ses cheveux. Là, c'est les feuillages qu'il y a dans ses cheveux. Ici, il y a une grosse fleur. Voilà. Mais je suis super contente parce qu'il avance vraiment bien. Et il est, pareil, il est super agréable à faire. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte d'avancer sur le visage. Parce que je sais qu'elle a un visage magnifique. Et quand il est brodé, je l'ai déjà vu. Il est vraiment magnifique. J'ai hâte d'y arriver. Voilà. Donc là, j'ai surtout travaillé... la feuille ici, j'ai pour ainsi dire terminé celle-là. Voilà, il y a encore un bout ici. Et j'ai travaillé aussi sur la fleur et sur le parme qui est là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Combien j'ai fait? Alors, je n'ai travaillé que sur celle-là jeudi. Jeudi matin, nous n'étions pas là et on était parti faire les grosses courses. Et du coup, on n'était pas là jeudi matin. Donc, je n'ai travaillé que sur ma japonaise, que sur celle-là jeudi après-midi. Et j'ai fait 606 croix en tout sur mon après-midi. J'ai déjà brodé 5529 croix et je suis à 7,32%. Il y a encore du boulot, hein. voilà, donc je ne suis même pas encore au 10%, voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup, j'adore les couleurs, elles sont magnifiques, en plus quand on les voit là, même en vrai, c'est vraiment très très joli. Voilà. Elle est trop trop belle. Celle-ci, je la brode sur une étamine 12.6 fils, une Easy, comment on les appelle cela, Easy, oh, je ne sais plus, mais elle est déjà pré-imprimée au niveau quadrillage et ça s'enlève à l'eau. Voilà, quand vous avez terminé votre broderie, vous la passez à l'eau et ça partira. Moi, je ne la ferai pas puisque de toute façon, c'est une couverture totale. Donc, je ne vais pas m'embêter de la mettre à l'eau. De toute façon, je fais attention de ne pas la salir, de ne pas faire de tâches ni rien. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Enfin, normalement, on n'est pas au bout encore. Mais donc, voilà. Vous voyez, il y a de la toile hein, encore. En largeur, ça va. Hein, largeur... Oh. J'ai perdu tous mes petits en largeur. Voilà, il reste encore un bout là. C'est pas une très gros HAED. Ça s'appelle, c'est un mini celui-là. C'est le mini Asian Fantasy 2. Voilà, du coup, je remets bien ma toile. Pas pourquoi ils sont tous partis, mes petits bitonios là. Hop, on va les remettre. Et de mémoire, elle est à la 89 couleurs. Voilà. Hop, voilà. J'ai remis mes petits bitonios. Donc voilà. Regardez les couleurs, elles sont trop trop belles. Chouette. Donc elle avance doucement mais sûrement.
mais je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ici. Hop. Ça, c'est un duo que je fais avec Sonia de la chaîne... Ouais, je ne me suis pas trompée. De la chaîne Diamant Rose. Voilà. C'est le sampler 124. Voilà. Donc, ça, c'est le carré qu'on avait terminé la semaine dernière. Et comme vous le savez, ou si vous ne l'avez pas vu, j'ai partagé la grille en 17 cases que j'ai numérotées. Et je tire au sort avec une roue la case que l'on va faire. Là, je ne vais pas en tirer aujourd'hui puisque là, ce n'est pas terminé. Mais quand cette case-là sera terminée, je tirerai au sort une nouvelle, voilà. Alors, là, nous, on fait 300 croix par semaine, ni plus ni moins. On reste sur 300 croix. Donc là, cette broderie-là rentre quand même dans le September Sampler Quaker, mais on continuera à faire nos 300 croix par semaine. On n'en fera pas plus. Donc, j'ai choisi de faire l'encadrement en premier, voilà, et vous voyez 300 croix, mais il restait un petit bout à faire, mais je l'ai pas fait puisque j'étais au nombre de croix. Là, j'ai choisi de faire l'encadrement d'abord et après je ferai les petits motifs qui sont à l'intérieur. Moi, je le fais sur une étamine 12.6 fils bleu canard. Je brode avec trois couleurs. Il y a un bleu, ce ne sont que des fils étoiles. Alors, est-ce que vous voyez, ça brille? Ce sont que des fils étoiles, donc il y a un bleu marine, un bleu turquoise et un jaune. Et je vous montre celui de Sonia. Elle a une toile étamine 12.6 fils couleur rubis et elle brode avec un fil étoile également, mais gris pâle. Voilà. Donc voilà nos ouvrages. Donc, vous voyez, on fait la même case, mais on n'a pas commencé pareil, mais ça, c'est pas très grave, voilà. Mais on aime beaucoup cet ouvrage. Bon, il est très long à faire, parce qu'il y a, je dis, il est quand même assez conséquent. Mais 300 croix par semaine, on ne fait pas plus, on ne fait pas moins. Ensuite, donc celle-là, je vous l'ai montré. Je ne sais plus où j'ai mis mon crayon. Ah, il est là. Je l'ai mis où? Il est là. Donc, j'ai fait 300 croix. En tout, on a brodé 4224 croix. Et on est à 10,82%. Voilà. Ensuite... c'est quoi? Non. Ah, ici. Alors, ça coince. Voilà. Bon, c'est par terre, ça tombera pas plus bas. Ma maison météo. Alors, j'ai pas pris la bobine de fil. J'éteins pas, je suis là, je prends ma petite bobine et je vous explique. Alors, vous savez que je suis en retard, bah, comme d'hab, sur ma maison météo. Je n'ai pas rattrapé mon retard encore, voilà. Je devais faire les boiseries de mes fenêtres ici, elles n'étaient pas faites, et mes boiseries de mes deux fenêtres ici qui n'étaient pas faites. Donc je l'ai fait, donc j'ai plus qu'à remplir avec les températures mes quatre fenêtres, voilà, je suis en retard de quatre fenêtres,
Mais j'ai voulu, donc j'ai fait ça aujourd'hui, oui, j'ai fait ça aujourd'hui, mais j'ai voulu essayer, parce que j'avais dit que je ferais la pelouse qui est en bas. Donc ici, on a tout un morceau de pelouse. Là, il va y avoir des fleurs, un chat, un parapluie, etc. Mais j'avais dit que je ne ferais pas. Alors là, je ne l'ai pas fait tout de suite en vidéo parce que j'ai d'abord voulu essayer moi-même, mais après, je vous le referai en vidéo avec ce fil-là. Voilà. Alors, c'est un fil. C'est de la laine. C'est un fil de laine. Voilà, je vous montre. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais alors, ah bah peut-être si je vous mets avec ma tablette, vous verrez peut-être mieux. Voilà, vous voyez, il est un petit peu poilu. Voilà, il est un petit peu poilu. C'est un fil en laine. Alors, il y a tout petit peu rêche, mais bon, ça, c'est pas très grave. Et si vous regardez la couleur, vous voyez, il y a des changements de couleur par-ci, par-là. Mais la pelouse ne se fait pas qu'avec une seule couleur. Donc, j'ai d'autres bobines comme ça, avec des couleurs plus foncées, plus claires. Donc, je vais jouer avec les deux ou trois couleurs pour faire la pelouse qu'il y a en bas de la maison. Mais alors ça va, c'est un petit peu plus rêche à broder, puisque déjà bon, c'est un petit peu plus épais. Là, je brode avec un seul fil, hein, bien sûr. Là, je fais de la demi-croix pour faire la pelouse, mais il faut que je change d'aiguille. Là, je l'ai fait avec l'aiguille que je brode le reste de la broderie, mais elle est comment je vais dire? Elle est trop fine, l'aiguille est trop fine, le chat est trop petit, donc je vais prendre une autre aiguille. J'ai des aiguilles boules qui sont plus grandes, c'est la taille 40 ou 42, je ne sais plus. Je vais prendre cette aiguille-là pour broder avec ça, parce que là j'ai vraiment besoin que mon aiguille soit un peu plus grande, avec un chat plus grand. Voilà. Mais sinon, ça va très très bien pour broder. C'est très joli. Alors, bon, j'ai fait quoi? 15 points hein, peut-être. Donc, je ne sais pas si vous verrez. Mais j'ai pris en photo. Voilà. Vous voyez ici. Mais je vous montre plutôt la photo. Vous verrez mieux pour voir justement les reflets et le résultat sur la broderie. Mais en fin de compte, ouais, j'aime bien. Alors, je n'en étais encore jamais servie. J'ai plusieurs couleurs. Hein. Je les avais eues chez De Mère en Fille. Et c'est rustique, wool, moire. Moire ou moire. Je ne sais pas comment on prononce. Je vous montre le dessin. Voilà. Donc ça, je les ai eu chez De Mère en Fille et j'aime bien, j'aime bien. C'est un peu plus dur à broder. Alors là, c'est de la demi-croix. Si je faisais de la croix complète, je crois que ce serait un petit peu trop épais. Mais je me demande quand même si je vais pas faire justement cette couleur-là, celle-là, tout en demi-croix et l'autre couleur verte. Ça y est, il y a une mouche. L'autre couleur verte qui sera un peu plus foncée, je pense, je ferai un essai. Je pense que je la ferai en croix complète pour donner du relief. Voilà. Je vous montrerai à ce moment-là. Mais voilà. Donc j'ai voulu absolument essayer tout à l'heure. Fifi, t'es devant. Oui. Un fil. Bon, vas-y, gratte-toi dessus. Donc, je pense que j'essaierai de faire des croix pour donner un peu plus de relief. Voilà. Mais alors, c'est des bobines qui ont, je ne sais plus combien il y a de longueur dessus. Est-ce que je l'ai là? Alors,
100% laine, 80 mètres. C'est des bobines de 80 mètres. Et là, c'est la couleur 403. Voilà. Donc, il y a plusieurs couleurs, hein. Il y a des bleus, il y a des oranges, il y a des... dans les tons roses. Voilà. Donc, un petit peu à la fois, je pense que je vais me les prendre. Là, j'en ai déjà 6 ou 8, je crois. Mais je pense que je vais essayer de tous me les prendre un petit peu à la fois. Et pour donner un peu de relief des fois à certaines broderies. Voilà. Donc là, j'ai fait mes boiseries du coup. Mais là et là. Là, j'ai encore deux fenêtres à broder. Et là, une boiserie à faire. Et du coup, 1, 2, 3, 4. 1, 2 et deux fenêtres entières à faire. Voilà. Mais oui, on arrive déjà en bas, hein. L'année passe vite. Donc, la maison météo, je vous l'ai montré. Donc, j'ai fait mes quatre fenêtres. J'ai fait environ plus ou moins 250 croix pour faire mes quatre fenêtres. Et puis, mon petit carré de pelouse. Alors, je pense que je n'en ai plus qu'une à vous montrer. Alors, le HAED, je vous l'ai montré. Voilà. Ça vu. Non, ça, je l'ai montré. Alors, attendez, il m'en reste une normalement à vous montrer. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, elle est là. Ça y est. Non, c'est pas celle-là. Elle est par terre. Ce sont mes pans royaux. Donc, c'est un modèle All Forest. C'est un modèle payant. Voilà. Donc, la semaine dernière, j'avais commencé cette frise. Donc là, elle est terminée. Et j'ai commencé un tout petit peu de l'autre côté. Pareil, ce sera la même frise. Donc ici. Ah, Fifi, s'il te plaît. Fifi, t'as pas l'air de gêner, tu crois pas? Vas-y, fais ta toilette. Fifi, ah, j'adore quand elle fait ça. Vous lui parlez, puis elle fait comme si elle n'entendait pas, qu'elle vous écoutait pas. Enfin, c'est pas, là, elle fait pas semblant de pas écouter. Hein? Et, mémère, tu peux bouger? Bisous, maman. Oh, oui. Allez, bouge. Bouge. Bouge, 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 bouge. Allez, hop. Voilà. Merci, Fifi. Alors, cette partie-là, elle est faite en fil étoile. Donc, c'est du 550. Là aussi, c'est fait en fil étoile. Bon, du coup, la deuxième frise, bien sûr, est faite en fil étoile. Et le reste est fait en fil coton mouliné, donc DMC. Là aussi, c'est un DMC. Et donc, c'est la couleur 550 pour le tout. En fil DMC, c'est du C550. Donc, c'est un violet, vous voyez. Mais je l'aime beaucoup. Toile étamine 12 points 6 fils vintage rose. Voilà, donc un rose marbré. Celle-ci va rentrer dans le challenge du mois de septembre. Donc le September Sunblock Quaker pour que je l'avance. Hein, voilà, donc ce mois-ci, elle rentre dans le challenge. Alors, j'ai fait 270 croix. Bon, c'est pas énorme, hein, mais hier, j'ai quand même travaillé sur trois broderies. Hein. J'ai fait les ours, les paons et l'automne Quaker. Donc, j'ai fait 270 croix
En tout, il y en a 6399 de faits. Et je suis arrivée à 19,94%. Bon, on va dire 20%. Donc, je suis contente. C'est très bien. Alors, niveau broderie, je crois que je vous ai tout montré. Ne partez pas, il y a encore des choses à voir. Hein. Je rebois un coup. Voilà. Oui, je vous ai tout montré. Alors, mon challenge. Alors, comme je vous avais dit, le challenge, je me prévois 3000 croix par semaine. Et cette semaine, j'ai fait 4777 croix. Nous sommes le 31 août, donc j'ai fait ma récap du mois. Donc, en tout, sur le mois, j'aurais dû faire 12429 croix. Et j'en ai fait, ta-da-da, roulement de tambour, j'en ai fait 20691. Donc, j'ai fait 8262 croix en plus de ce que j'avais prévu de faire sur mon challenge. Voilà. Donc, je suis contente de moi. J'ai fait un bon mois. Bon, il y a eu des jours plus ou moins remplis de broderie. Mais voilà, j'ai quand même super bien bossé. Je suis contente. Donc, voilà. On va faire le petit tirage. Alors, en sachant qu'il y aura le challenge du mois de septembre, mais je vais quand même tirer au sort. Alors, du coup, je mets d'office, avant de faire le tirage, je mets d'office. Alors, je vais marquer, ça c'est septembre, voilà, comme ça, je sais que c'est pour ça. Mon long dog sampler, ça il est mis d'office. Voilà. Mon Norton Quaker. Voilà. Mes pans royaux. Mon sampler 124. Mon Halloween Quaker. Voilà. Et j'avais dit quoi? Alors, le patchwork, j'ai pas travaillé dessus. Mais je vais le mettre. Le patchwork sampler, voilà. Je crois que j'ai tout mis. Ouais, je pense. Bon, si j'en ai oublié un, je le rajouterai, c'est pas grave. De toute façon, j'ai tout le mois pour les faire. Et maintenant, on va quand même tirer au sort. Alors, je regarde, mais. Moi, ouais, si, j'ai tout mis. Hein. Halloween Quaker, c'est fait. Ouais, bon. Normalement, c'est bon. Allez, on va tirer au sort. Avec la roue. Donc, du coup, là, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va en tirer. Bon, d'habitude, j'en tire 10. Je vais en tirer 5. Et puis, je verrai comment ça ira. Alors, par contre, je crois qu'il y en a un que j'ai pas retiré. Il y en a un que j'ai pas retiré, que j'avais fini.
Est-ce que je l'ai retiré? Je sais plus. Oui, je l'avais retiré. Voilà. Donc c'est bon. Allez, j'ai l'impression qu'il m'en manque un dessus. Je sais pas. Bon. Allez. Alors, s'il y a un sampler qui sort, ben, on annulera. Ah bah. Donc, on annule déjà. Voilà. L'orchidée. Alors, on va le mettre dans une autre couleur. Orchidée. Ensuite. Mon fox. Ah, je suis contente. Mon fox. C'est le petit renard hein, de Noël. Ça c'est quoi? Ah ben Alice au pays des merveilles. Donc là il faut que je termine l'étape du mois d'août et commencer l'autre bien sûr. L'aquarium de Lucas. Voilà. Et un petit dernier pour la route. Ah, j'ai oublié de retirer l'aquarium. C'est pas grave. Oui, trop contente. Mon HAED paysage. Voilà. Alors, en sachant qu'il y a aussi... mes obligatoires, c'est-à-dire bon, il faut que je termine la confiture et commencer les œufs, mais bon, je pourrais pas faire les deux. Alors, je vais remettre une autre couleur. la confiture, donc à finir. Et je ne vous ai pas montré mon Lily Point. Céline, désolée, j'ai pas travaillé mon Lily Point cette semaine. Mais ça te donne du temps justement pour rattraper un peu ton retard. Mais donc je le ferai moi cette semaine. Il faudra que je redemanderai. J'ai mon stylo qui bave. Je redemanderai à Céline, c'est avec elle que je fais le Lily Point sur le thème du chat. Et il faut que je lui demande où elle en est arrivée. Parce que comme elle avait été souffrante, elle n'avait pas pu broder. Voilà. Donc, le Lily Point. Et je pense qu'on est bon. Donc, là. Lundi, donc ma broderie du lundi. Qu'est-ce que je ferais bien lundi? Alors, celui que j'ai le plus en retard, alors vraiment le plus en retard, c'est mon Halloween Quaker. Bon, le patchwork aussi, mais à choisir, donc pour la broderie du lundi, je ferai mon Halloween Quaker. Voilà, je me le marque. Déjà, hop. Donc celui-là, je l'entoure parce que ce sera ma broderie du lundi. Voilà. Donc, je récapépète depuis le début. Donc, pour notre challenge September Sampler Quaker, il y aura le Languedoc Sampler, le Houghton Quaker, mes pains royaux, le Sampler 124.
J'en ai peut-être oublié, mais je ne sais pas. Donc, le Halloween Quaker et le Patchwork Sampler. Ensuite, en broderie normale, voilà. Mes orchidées, le Fox, mon Alice au Pays des Merveilles, l'aquarium de Lucas et mon achat des paysages. Voilà. Alors, je ne sais pas comment je vais travailler mes samplers et mes Quakers. Est-ce que je vais travailler dessus le matin ou est-ce que je vais prendre l'après-midi pour travailler dessus? Ça, je ne sais pas encore. Je vais voir ça. Mais on verra bien. Donc, demain, en faisant le montage de ma vidéo, je broderai la confiture. Voilà. Après, je verrai l'après-midi si je me fais un petit coloriage. Et il me reste du coup à choisir une estampée pour le dimanche soir, puisque le dimanche soir, normalement, c'est estampé. Comme je n'ai pas fait mon cheval la semaine dernière, je me le renote cette fois-ci pour que je puisse faire mon cheval donc dimanche soir. Donc, le cheval, hop, ce sera pour dimanche. Voilà. Et le matin, donc du coup, ce sera la confiture. Voilà, donc je me suis tout noté. Alors, je vous montre maintenant à chaque fois parce que souvent il y en a qui me demandent comment je m'organise. Donc voilà, comment je m'organise. Alors, je vous avais montré hein, que j'avais acheté des petits agendas. Le pire, c'est que j'en ai acheté deux. Du coup, je m'en sers pas. C'est vraiment les plus petits, bah, ils font la moitié de ça parce que c'était une page. Et puis en fin de compte, non, je préfère mon celui-là parce que comme il y a une spirale, je préfère celui-là. J'ai un petit peu moins de place, mais bon, ça va. Et puis celui-là, en plus, il va jusqu'à. Juin de ouais fin juin donc dernier jour de juin même plus il va jusqu'au 6 juillet 2025 c'est ça hein ouais 2025 donc ça c'est bien j'aurais pas besoin de rechanger au mois de janvier donc en fin de compte je garde celui-là j'aime bien l'année prochaine quand ils en ressortiront un comme ça à part, pour à partir donc ça commence au mois d'août cela. Non, ça commence pas au mois d'août. Je dis des bêtises. Il a commencé. Ah, attendez. Il a commencé en février 2024, celui-là. Janvier ou février? Non, janvier 2024. Et il va jusqu'au mois de juin 2025. Ça y est, il y avait un moucheron. bon, on verra bien. Au moment venu, on verra. Mais en tout cas, je l'aime bien, celui-là. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui. Oh, il m'énerve ce moucheron. On est à combien? 1h28. Youpi. j'ai décidé de vous parler. Oh, m'énerve ce moucheron. J'ai toujours les mouches, les moucherons, ça m'énerve. De vous dire un petit peu. Ce que je regarde la semaine en vidéo. Comme ça, si ça peut vous inspirer aussi pour regarder des vidéos. Voilà, alors attendez, je cherche mon historique. Il est là. J'ai regardé. Alors comme ça, je vous dis, et en même temps, ben, si j'ai des petites appréciations à vous donner, je vous les donnerai également. Aujourd'hui, j'ai regardé la vidéo de Geneviève de la chaîne Once Upon a Trade. T'as vu Geneviève? Oh, trop forte la meuf. Alors, je vous invite. Il pleut. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne. C'était une toute nouvelle chaîne
Elle l'a ouvert la semaine dernière, je crois. Donc, c'est sa deuxième vidéo. La première vidéo, alors, je vais regarder. Hop, ici. Voilà, ici. Donc, ouais, sa première vidéo, elle date d'il y a 6 jours. Et la première, donc, elle faisait sa présentation. Elle se présentait. Et elle avait fait un petit unboxing, un unboxing de poussière d'étoiles, justement. Et ici, cette fois-ci, elle a fait un whip. Alors, je ne sais pas comment ça se dit en français, un whip, mais elle présente les broderies qu'elle a en cours. Voilà. Donc, elle a fait son whip de août 2024. Elle fait partie du gang des Québécoises. Donc, on a beaucoup de broderies en commun, toutes. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne, à vous abonner à sa chaîne. Vous n'allez pas être déçu. Là, les deux premières vidéos, moi, je les ai déjà adorées. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller la découvrir et vous abonner. Donc, ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? Bon, j'ai pas regardé ça. Donc, ça, c'était parce que je cherchais un tuto. Ça, c'est une connerie, donc je vous en parle pas. J'ai regardé... Alors, je ne connaissais pas cette chaîne-là, donc je ne peux pas vous donner trop mon avis. J'ai bien aimé la vidéo, j'ai bien aimé les broderies qu'elle fait en ce moment. Donc, sa chaîne, c'est Cléophée Broderie. Donc, c'était le Floustube 6, un sale, de belles avancées et quelques vacances. Voilà. J'ai regardé également et découvert, parce que je ne me rappelle pas d'avoir vu cette chaîne. Donc, normalement, c'est la première fois que je la regardais. Ça s'appelle « Les 12 travaux de Nicrix ». Voilà. Donc, c'est son Floustube numéro 2. Elle fait de jolies choses également, de jolies broderies. Et j'ai beaucoup aimé également ce qu'elle faisait. Bien sûr, j'ai regardé la vidéo de Sonia Diamant Rose où elle présente justement notre challenge du mois de septembre, le September Sampler Quicker. Et justement, je vois qu'il y avait le hashtag. Donc, ça y est, j'ai retrouvé le hashtag. Donc, le hashtag, c'est hashtag sampler avec un S. Hashtag sampler September. Voilà. Mais de toute façon, je vais vous le remettre en barre d'infos. Donc, j'ai adoré aussi. Hein, bon, c'est j'ai adoré la vidéo de Sonia comme d'habitude. Ça, il n'y a pas de souci. Je regarde régulièrement. Souvent, tous les dimanches, je regarde sa vidéo. Là, elle l'a mis le samedi, mais moi, souvent, je la regarde le dimanche. Je ne sais pas si vous connaissez. Là, c'est sur le tricot, mais c'est sur le tricot circulaire. Mais j'aime beaucoup. Je regarde donc toutes les semaines, et de temps en temps, il y a d'autres vidéos de Miss Manu au naturel. J'aime beaucoup regarder ses vidéos. J'adore son franc-parler, son naturel, son... elle est pétante, j'adore son chat, enfin ses chats parce qu'elle en a deux. J'adore tout ce qu'elle fait, malgré que c'est du circulaire. Moi je suis en aiguille droite, hein, vous le savez. Mais donc, si vous la connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller voir. Ça fait des années, des années, des années qu'elle est sur YouTube. Mais j'aime vraiment beaucoup ses vidéos. Et ensuite, Diamant Rose, j'ai regardé une autre vidéo, donc la grande annonce, la présentation de Geneviève,
Tiens, on me met ma vidéo à moi. qu'est-ce que... Ben, on met les miennes là. Ben, c'est tout. Bon, cette semaine, c'est tout. Ouais, c'est tout pour l'instant. Donc voilà, bah, écoutez-moi toutes les chaînes dont je vous ai parlé. Je vais vous remettre les liens en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller les découvrir si vous en avez envie. Et surtout, allez vous abonner à la chaîne de Geneviève Once Upon a Trade. Voilà. Je me refais une pause de 2 secondes, enfin de 2 minutes, le temps de ranger tout ça. Et on parle tricot. Me revoilà. Alors, dans la semaine, je vous ferai une vidéo pour les projets qui vont arriver pour le mois d'octobre normalement. Je vous parlerai de ces broderies-là à ce moment-là. Et là, je vais d'abord vous montrer mes achats. Voilà. Donc, vous allez avoir une vidéo également lundi ou mardi. Je vous présenterai, j'ai repris deux nouvelles revues. Donc, Idéal, Plaisir d'émail, la nouvelle collection, Mes chers tricots. Voilà. Donc, je ne vous montre pas maintenant dedans, ce qu'il y a dedans. Je vous le verrai dans la vidéo de présentation. Et j'ai pris également le Idéal Crochet Créatif, Nuances de l'été indien. Voilà, donc là c'est tous des modèles au crochet. Donc c'est pareil, je vous le présenterai lundi ou mardi en vidéo. Ce matin, je suis allée chez Action chercher 2-3 bricoles pour la maison et j'ai craqué sur de la laine. Enfin, c'est pas de la laine, c'est du acrylique polyester métallique pour un et l'autre c'est acrylique polyester. J'en ai pris 4 pelotes, 2 de chaque. Alors c'est un fil qui, dès que tout est vendu, il n'y en aura plus. Donc si jamais vous vous en voulez, bah, allez vite voir dans votre Action s'il y en a. J'ai vu qu'il y avait, donc moi j'ai pris les tons roses. Et il y a aussi dans les tons bleus et dans les tons verts. Voilà. Mais j'ai pris rose parce que dans les autres tons, il n'y avait plus assez de pelote pour ce que je veux faire. Donc moi, j'ai envie de faire un châle avec. Et donc, alors il y a 4 pelotes, il y en a 2 de chaque. Voilà ce que j'ai pris. Donc celle-ci, alors je ne sais pas si vous allez, voyez, elle brille. C'est très léger, hein, mais c'est très joli. Voilà, donc c'est un rose fuchsia. Et celui-ci, dedans, il y a du rose, il y a du marron, du beige. Enfin, c'est même presque un blanc cassé. Voilà, vous voyez. Alors, celle-ci, c'est acrylique polyester 50-50. C'est une bobine de 125 grammes sur 400, qui fait 415 mètres. Alors, ce matin, je les ai pesées. Je disais mince, parce que j'avais l'impression qu'il y en avait une qui était plus grosse que l'autre. Je dis tiens, je vais les peser pour voir. Effectivement, il y avait des petites différences par les pelotes. Mais après, je me suis dit, j'avais 145 et 150 grammes environ, suivant les pelotes. Je me suis dit, mince, ils mettent quand même 30 grammes de plus sur la pelote, c'est chouette. Mais non, il y a un carton dedans. Voilà, c'est enroulé sur un carton. Donc, il y a le poids du carton. Voilà. Mais du coup, je dis mince, il y a plus de laine que prévu, c'est super, mais non. Alors, j'ai pris 4 pelotes, 2 de chaque. Voilà, normalement, j'aurai assez. Hein, je vous dis, j'ai envie de faire un châle, donc en bicolore. Enfin, il y aura cette couleur-là et il y aura cette couleur-là. Les deux vont bien ensemble. Hein, voilà. Donc le châle exactement lequel je vais faire, je ne sais pas encore.
Mais j'ai déjà enregistré quelques modèles de chez Obi, des modèles gratuits. Voilà, les gratuits sont très jolis hein, chez Obi. Donc, je prendrai un modèle de chez Obi et voilà, je le ferai. Je vous montrerai le moment venu. Alors, c'est des pelotes, un fil qui se brode avec du 1,75 ou 2. Bon, moi, je verrai, je ferai d'abord un petit échantillon, je verrai ce que ça donne. Bon, à 75, non, je ne ferai pas, mais je pense que je ferai du 2 ou alors peut-être du 2,25 ou je verrai, suivant le motif que je vais crocheter, je verrai ce qui est le mieux. Mais je vous en reparlerai le moment venu. 1,99 € la pelote. Donc ça va. Mais je vous dis, si jamais vous en voulez, faites vite parce que le code barre était barré. Et quand c'est barré, c'est qu'il n'y en aura plus. Voilà. Enfin, des fois, ils ressortent, hein, mais ils ressortent des fois de plusieurs mois après. Ou, voilà. Mais du coup, si vous en avez besoin, prenez tout de suite la quantité dont vous avez besoin. Donc pour mes achats, bah c'est tout. Voilà, j'étais assez sage. Mais maintenant chez Action, c'est vrai que c'est plus l'emballement comme au début. Déjà, bon, c'est toujours la même chose. Et puis je ne fais plus de scrap, je ne fais plus. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose en loisirs créatifs pour moi, à part la laine. Voilà, j'avais vu une laine. Alors je voulais me la prendre, mais je vais voir si la semaine prochaine il y en a encore. Il y avait de la laine fourrure. Mais bon, là, c'était 4,99 la pelote. Mais bon, ça se fait avec des grosses aiguilles ou des gros crochets. Donc, ce n'est pas trop le problème. Mais il y en avait une très belle. Mais bon, je verrai. Allez. J'ai tricot. On va commencer par crochet. Parce que j'ai commencé un nouvel ouvrage au crochet. Vous vous rappelez que j'avais ces pelotes-là. Voilà. Pingouin, Estérel 3, Lurex. J'en ai 10 pelotes. Je les avais eues dans les lots fil d'art. Pour 30 euros, on avait 40 pelotes. Je crois. Ou 30. Ouais, 40, je crois, je ne sais plus. Alors, par contre, ça a augmenté. Enfin, non, le prix n'a pas augmenté. C'est toujours 30 euros. Mais il y a moins, ils ont mis moins de pelotes maintenant. Ouais, on en avait 40, c'est ça. On en avait 40 pour 30 euros. Par contre, maintenant, on n'en a plus que 30 dans ces paquets-là pour le même prix. Donc, pour 30 euros, c'est dommage. Mais bon, tout augmente. Hein. C'est comme partout. Donc je vous avais dit que moi je reprendrais un lot comme ça pour voir ce que j'aurais. Mais bon, pour l'instant, non. De toute façon, là, moi, ce mois-ci, ça va être un peu. On va y aller doucement sur les achats. Donc je verrai par la suite pour en reprendre un. Mais maintenant, au lieu de 40 pelotes, on n'en a plus que 30. Bon, vous ne savez, c'est des colis mystères, hein, vous ne savez pas ce que vous avez dedans. Donc moi, dans le dernier colis que j'avais eu ce fil. Donc c'est un fil 96% de coton et 4% de polyamide. Voilà, le polyamide, bah, c'est le petit brillant hein, qui est dans la pelote, vous voyez. Donc c'est la couleur rouge, tout simplement, 305. Ça se tricote ou ça se crochète en numéro 3, 2,5, 3. Voilà. Sinon, le poids, c'est 50 grammes pour 105 mètres. Voilà. Et bon, j'en ai 10 et pour ce que je suis en train de faire, j'en ai largement assez. J'ai commencé un châle. Oh, la pointe, elle s'est pliée. Voilà. J'ai commencé un châle. Alors, tout simple, hein, comme vous voyez. Là, il n'y a pas de fantaisie, c'est que de la bride. Voilà. Donc, là, il y a une pelote et un rang. Ouais, un rang que j'ai fait dans la deuxième pelote. Mais là, il y a déjà une pelote de fait. Donc, vous voyez, j'ai quand même déjà bien, bien, bien
avancer avec une seule pelote. Mais voilà, donc je vous montre ce que ça fait. Donc c'est le châle, mais alors le plus simple du monde, hein. Celui-là, il n'y a vraiment pas de... Là, c'est la pointe, voilà. Donc c'est trois brides, une maille en l'air, trois brides, une maille en l'air. Quand on arrive à la pointe, on fait trois brides, trois mailles en l'air et trois brides dans le même trou. Et on recommence, une maille en l'air, trois brides, une maille en l'air. C'est un modèle de chez Hobby, gratuit. Je vous mettrai le lien également. Mais le truc super simple qui va vite à faire. Voilà. Donc là, bah, j'ai déjà fait. Il va être plus grand, hein, je vous rassure. Mais là, j'ai déjà un petit col. Voilà. Non, mais il est super. Et la couleur rend bien. Alors, Chouchou, tout à l'heure, il a dit rouge. C'est vrai que je ne mets pas beaucoup de couleurs. Je dis, bah oui, bah, j'ai mon fil, il faut bien que je l'utilise. Donc, voilà. Là, j'ai voulu en faire un tout simple. Donc, avec les autres pelotes, ce ne sera pas le même modèle, bien sûr. Mais quand j'aurai terminé... Je vais d'abord terminer celui-là. De toute façon, ça va aller assez vite. Et j'attaquerai l'autre châle après. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai avancé un petit peu, je crois. J'ai pas... Alors, je retourne sur ma page. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui. J'ai vraiment fait 3-4 ans, je crois. J'ai pas fait beaucoup. Ouais, un peu plus que 3-4 ans quand même. Alors j'en ai fait 1, 2, 3. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10 quand même. Voilà. Mon pull Armel. Voilà. Là je suis encore deux rangs, je crois, et j'attaque l'encolure. Voilà. Et après, ben, j'attaquerai mes petites manches. Hein, mes petites manches à trou-trou. Donc voilà. Là, j'ai fait une dizaine de rangs sur mon pull Armel. Donc, c'est... Ah ben, alors là, j'en ai ce fil-là. Voilà. Le fil Eucalyptus de chez Filda. 100% lyocèle. Et c'est la couleur Lagon. 104, voilà. Donc cette couleur là par contre on ne la retrouve plus chez Fildar, mais vous pouvez la retrouver par exemple chez Mondial Tissu sur le site internet. Sperenza, je sais pas s'ils en ont encore, mais bon, à voir. Voilà, donc la couleur, voyez, c'est ça. Voilà le fil, c'est comme un ruban, voyez, c'est comme un ruban tissé. Mais super agréable à broder et ça, moi, à broder, à tricoter, et je tricote avec des aiguilles numéro 6. Voilà. Hop. On va le remettre. Du coup, je vais mettre mon châle dans celui-là aussi. Alors là, j'ai vu à Lidl, c'est jeudi, il y a des promotions spéciales couture. Et ils vont vendre un... Alors, il y a soit le sac ou soit le trolley. Trolley, donc, c'est, il y a un grand manche avec des roulettes. Hein, et je pense que je vais aller m'en chercher un. Comme ça, je vais mettre tous mes tricots en cours dedans. Et j'aurai plus 50 sacs à me balader... Que ça par contre c'est embêtant. Après Pacha, maman n'en a plus pour longtemps, va dans le panier, après tira ici. Alors oui, celui là c'est le nouveau que j'avais commencé. Alors j'ai fait une dizaine de rangs. Hop là, attention, voilà,
Donc là, j'ai fait une dizaine de rangs, vous voyez, ici. Bon, toujours super agréable à faire. Alors là, je viens de changer de pelote. Ouais, je viens de changer. Donc là, il y a une pelote. Voilà, il y a une pelote, là. Vous voyez, ça monte vite, hein, avec une pelote. Mais, donc, jersey, hein, un océan de jersey. Mais super agréable à faire, très doux. Et oh là, c'est d'une douceur, ça pique pas, rien. Et donc je le fais avec la laine, oups là, allez, voilà, flocon de bergère de France, le coloris hussard. Et donc celle-ci, elle est en 56% de laine, 25% d'acrylique et 19% de polyamide. Voilà, et ça se tricote en 5. Voilà. Mais elle est très très bien. Alors, il s'appelle. Alors, c'est une laine médium. Voilà. Vous voyez, elle est un peu poilue. Mais chouette. Donc, j'ai avancé. Vous voyez, j'avance mes tricots en ce moment, hein. J'ai avancé et j'ai également avancé Oh, voilà. Mon pull avec le plastron trou trou. Bon, alors là, on a l'impression que c'est pas droit, mais bon, après, ça ira. Hein, quand je vais le bloquer, ça va bien se mettre. Mais voilà, mes trou trou. Regardez-moi ça, je suis trop contente. Trop, trop contente. Alors bon, j'ai pas fini, hein, bien sûr. Là après, je vais avoir une toute petite difficulté. Enfin, ouais, ça sera une difficulté, mais ce sera juste à moi à faire attention, parce qu'après, quand je vais attaquer l'encolure, il va falloir que je sépare. Il va falloir que j'enlève les 18 mailles du milieu. Donc, il va falloir que je fasse attention d'être toujours dans le bon sens. Enfin, au bon endroit pour faire mes trous-trous. Voilà. Mais je suis contente. Il est chouette. Je suis fière de moi. Alors, il y en a qui tricotent des trucs impensables. Peut-être que vous êtes en train de me regarder et vous êtes en train de vous dire, mais elle s'extasie rien qu'avec un petit motif comme ça. Oui, parce que je ne savais pas faire les trous-trous. Et donc, voilà. Alors, mais par contre, je le trouve large. On verra quand il sera sur moi, mais j'ai l'impression qu'il est très large, ce pull. Oh, c'est pas grave. Moi, je ne serai pas serrée. Voilà, mais je suis super contente d'avoir réussi mon motif. J'ai hâte de terminer le devant. Après, les manches, ça va aller très vite. Enfin, très vite. Ça va aller vite, les manches, puisque moi, je tricote les deux manches sur la même aiguille. Désolée, je me suis étranglée. Ah, j'ai cru mourir. Voilà. Donc, je suis contente. Voilà. Alors, cette semaine, c'est hier avant-hier, je ne sais plus. Vous savez, sur Facebook, on a les souvenirs qui. On a des posts qu'on a fait il y a plusieurs années ou quoi, qui remontent. Et puis, vous voyez ce que vous avez fait. Et ça m'a permis de voir, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de mon pull cache-cœur. Il n'est pas là, hein, il est en haut pour l'instant. Mon pull cache-cœur.
que j'avais un peu abandonné parce que j'ai l'impression qu'il y a une erreur quelque part. Donc là, dès que j'ai fini un pull, je vais le redescendre et continuer. J'ai regardé la date où j'ai commencé. Je l'ai commencé début 2022. Donc, ce qui fait que ça fait 2 ans et demi que mon pull a commencé et qui ne demande qu'à être fini. Parce qu'en plus, il est super beau. La laine est très super belle. C'est la laine Calinou, je crois. Je sais plus. Enfin, je vous le remontrerai. Mais wow, j'ai 2 ans et demi. Ah bon, c'est pas mon record, hein, parce que j'ai toujours la veste à chouchou à finir. Elle est tricotée, je vous l'avais déjà dit. Elle est complètement tricotée, à part, il me reste un petit bout du col châle à faire. Et après, à faire l'assemblage. C'est tout ce que j'ai à faire. Alors, il y a des poches aussi, normalement, mais ça, je ne les mets pas. De toute façon, chouchou n'aime pas les poches sur les gilets. Et celui-là, ça fait plus de 5 ans maintenant qu'il est dans une caisse qui attend d'être terminée. C'est avec un fil bergère de France également. Ouais, ça fait plus de 5 ans qu'il est commencé. Il faut que je m'attelle à le terminer pour que, en espérant que la taille aille encore pour chouchou. Parce que bon, bah, ce serait bête qu'il soit pour ainsi dire terminé et puis qu'il reste là. Voilà, je vous dis, il n'y a plus qu'à l'assembler, à terminer un bout du col châle, et voilà, il sera fini. Donc, un petit challenge, terminer la veste de chouchou. Voilà. Bah écoutez, je vous ai tout montré en tricot, je vous ai tout montré en broderie, je vous ai montré le petit coloriage que j'avais fait, mes petits achats, les petites vidéos que j'ai vues. Voilà, ça, je pense que je vais vous le mettre régulièrement dans cette vidéo ici, pour vous faire connaître de nouvelles chaînes ou voilà, des chaînes qui existent déjà depuis un moment, mais que vous ne connaissez peut-être pas. Donc je vous remettrai en barre d'infos les liens pour que vous puissiez aller les découvrir. Désolée, il commence à être tard, il est minuit moins 20. J'ai traîné aujourd'hui, enfin j'ai commencé un peu plus tard que d'habitude. Et voilà. Bah écoutez, on commence un nouveau mois. Voilà. Un mois qui va être assez sympa, du coup, avec ce petit challenge là de September Sampler Quaker. Quoi d'autre? Bah, rien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous pensez que il y a quelque chose que j'ai pas dit, que j'ai oublié, que voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me poser la question en commentaire. Voilà, dites-moi tout ce que vous avez envie en commentaire. Au passage, on n'oublie pas les petits poupousses, hein. Voilà, très important, les petits poupousses pour faire connaître la chaîne. C'est ce qui permet à la chaîne d'être un peu plus souvent dans le moteur de recherche de YouTube. Et également, vous allez. Ah oui, nous sommes le 31, donc le concours est terminé. Vous allez avoir le résultat du concours cette semaine. J'essaye de vous mettre ça au plus vite. De toute façon, il faut croire que je n'ai pas encore fait le tirage au sort, hein, puisque le concours est terminé aujourd'hui. Demain, j'aurai pas le temps parce que demain il y a le montage de la vidéo, tout ça. Donc, j'espère vous faire ça rapidement. Il y aura donc la vidéo de présentation des revues de tricot et de crochet. Je vois également pour vous faire une vidéo pour vous présenter les futurs projets de broderie. Voilà, et puis il y aura d'autres vidéos. Je vous montrerai comment je brode avec ce fil-là.
Et puis on m'a demandé des vidéos. Je sais, je sais, je sais. Mea culpa. Certaines d'entre vous m'ont demandé des vidéos. Je n'ai pas encore pu les faire. Ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Il faut juste un petit peu de temps. Le problème, c'est que moi, les vidéos, sauf quand c'est des vidéos en musique, quand c'est des vidéos où je parle, je ne les fais que le soir. Je ne filme que le soir. J'attends que Chouchou soit couché. Comme ça, je suis tranquille. Et puis, j'aime pas filmer, parler en même temps. Puis, de toute façon, quand il est là, il regarde la télé, donc c'est compliqué. Je fais les vidéos le soir et puis voilà. Donc du coup, je ne peux pas en faire plusieurs à la fois. Mais voilà. Lundi, vous aurez également les unboxings. Il y a un unboxing que vous aurez lundi qui devait. Vous auriez déjà dû l'avoir il y a 15 jours. Je vous l'explique dans la vidéo d'ailleurs. J'étais sûre et certaine d'avoir mis la vidéo sur YouTube. Et puis, quand j'ai regardé, j'ai dit, mince, elle n'est pas là. J'ai dit, du coup, j'ai pas dû faire le montage. Et plus moyen de retrouver ma vidéo. Je l'ai effacée par mégarde. Donc, j'ai refilmé la vidéo. Et du coup, là, vous l'aurez lundi avec une autre vidéo. Voilà, puis j'attends des colis de partenariat, mais il y en a que j'en ai un qui est parti depuis fin juillet. Je l'ai toujours pas, je vais voir avec la boutique. On dira, il y a un autre colis qu'une boutique, c'était à Outdoor Taille, je crois, je ne sais plus exactement quelle boutique. Ils m'ont envoyé un colis. Ils m'ont réclamé au bout d'un moment, ils me disent on n'a pas eu la vidéo. Je dis oui, mais j'ai pas eu le colis. et j'ai plus de nouvelles d'eux. Donc j'ai pas reçu le colis, mais j'ai plus de nouvelles d'eux. Bon, tant pis, hein, c'est eux qui ont besoin de moi, hein, c'est pas moi qui ai besoin d'eux. donc voilà. Si vous voulez des vidéos, n'hésitez pas, même si vous me les avez déjà demandées, rappelez-le-moi, vous me le marquez en commentaire, je t'avais demandé telle vidéo, est-ce que tu pourras me la faire? N'hésitez pas à me le remarquer. C'est pareil, quand vous m'envoyez des messages, que ce soit par email ou par message privé, si je ne vous réponds pas, n'hésitez pas à revenir à la charge. Parce que je reçois beaucoup de messages, je reçois beaucoup d'emails et des fois c'est noyé dans la masse, je ne le vois pas. Ou alors des fois je le vois mais j'ai pas le temps de répondre tout de suite et puis du coup après j'oublie. Donc n'hésitez pas à me renvoyer un message. Je ne me vexerai pas, hein, vous inquiétez pas. C'est de ma faute à moi, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. On a dépassé les 2 heures. Loulou, vous allez être contente. Allez, je vais ranger tout ça maintenant parce que là, il est bientôt minuit moins le quart. J'en ai deux qui veulent aller faire le petit pipi, le dernier de la soirée. Je vais ranger tout ça. Et demain, je fais le montage de ma vidéo. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Encore merci à tous d'être là, de regarder mes vidéos, de vous abonner, de liker, de mettre des pouces, de mettre des commentaires. J'adore ça. Alors, n'hésitez pas. Et en attendant, moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.